Nous allons encore une fois, à travers cet exemple, ces documents, montrer aux Guinéens que rien ne peut arriver dans ce pays du côté positif. Parce que nous découvrons très malheureusement, je dis bien très malheureusement, une situation déplorable au niveau des affaires trans, au niveau de nos diplomates. Ils sont allés ramasser des diasporas qui ne sont pas des diplomates pour venir encore remplir nos ambassades. J'ai dit bonsoir à mon beau, à Liubaï, comment vas-tu? Bon. Mon beau, voilà, Tordev aussi, comment vas-tu Tordev? Bonsoir à Diankoala Mokoukeita, Bandemansa, Mohamed Kamara, comment va? Bonsoir frère. Salam alaikum. Partagez, mettez les cas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'informations. Bana Bana, voilà, le ministre de la Défense. Voilà, Alpha Baka Bari, comment vas-tu? On va essayer de Bari. Marsoude. Voilà, donc partagez. Et mettez assez de cœur, s'il vous plaît, parce que ça va chauffer. Ça va très, 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 très bien chauffer. Pour un second temps, nous parlerons encore de ce qui est un peu ridicule, parce que moi, je crois bien que les Guinéens savent faire la différence entre festival et concert. Permettez-moi de saluer mon grand frère, frère Alpha Diallo. Non, écoute, Alpha. Bonsoir, Koto. Voilà. Nabin Tala Moussoumima, bonsoir. Balak, comment vas-tu? Voilà. Mohamed Bountou, bah, salutations à toi, mon frère. Sidibé, Fula Sinani, salam alaikum. Nabin Tala Moussoumima, Folie Albanien, bonsoir. Donc, et nous allons vous donner des informations par rapport aussi à une sortie qui m'a beaucoup touché. Mais je vais m'adresser mon dernier bonsoir à mon frère Ousmane Ba de Dongol Touma. Voilà, Dongol Touma, c'est chez moi ça, s'il vous plaît. Même si je ne suis pas Ekoumamou, mais Dongol, c'est mon Dongol Touma à moi. Donc, bonsoir à tout le monde. Dansa Kuruma, qui a rencontré, selon lui, les arabophones, sauf que, vous avez vu ce que j'ai écrit. Voilà, Fonike Mangue, Yali, comment vas-tu? Vous avez vu ce que j'ai écrit. Voilà, Madrien, comment vas-tu? Dansa, Konolala, je pense que vous avez bien compris. Moussa, comment vas-tu? Ouais, ma journée va très bien. Donc, nous allons commencer par les affaires étrangères, parce que nous sommes touchés. Voilà. Moi, je suis touché. Je pense que tous les bons Guinéens, il faut dire que je vais très bien, tous les bons Guinéens, parce que moi, ce que j'aime, c'est les Guinéens. Aujourd'hui, c'est nous qui parlions. Mais wallahi billahi, allez-y voir les commentaires, les posts. Je dis bien les commentaires, les posts de nos abonnés à nous, des vrais abonnés qui aiment ce pays. Parce que moi, j'ai compris à travers certains commentaires, certains posts. Merci Koto Alpha. Merci Koto. À toi, Koto m'a vu jouer au ballon. Merci grand frère Alpha Diallo. Koto, c'est mon grand frère. Nous avons grandi devant Yo Amamou. Donc, je pense que quand j'ai lu certains commentaires, vraiment j'ai levé encore une fois le chapeau pour, je dis bien pour mes abonnés, pour les abonnés de Mamoudou Sida, de Damaro, de Benito, de Matou et de Mama Ramatoulaye Colomb. J'ai compris quelque part, nous ne sommes que des simples porte-paroles. Nous avons les mêmes idées. Et puis, vous donnez les mêmes explications, c'est-à-dire vous donnez vos yeux, vous améliorez même, c'est-à-dire vous expliquez plus que nous-mêmes certaines situations. Quand je vois les commentaires, je dis waouh, waouh, j'ai beaucoup de respect pour des abonnés. Je dis waouh, parce que ce sont des commentaires qui concordent, c'est-à-dire des vrais commentaires. Je le dis sincèrement. Yula, comment vas-tu, Aïcha? Donc, vous avez vu aujourd'hui, Maurice Sanda a nommé. Il a nommé des gens dans nos ambassades. Entre Dieu et vous, regardez la prestation, les différentes prestations de ceux qui sont aujourd'hui travailleurs dans nos ambassades. D'ailleurs, je remercie, voilà, je remercie certains frères qui m'ont dit, ah, peut-être pour le Canada,
ça a donné quelque chose. Maurice Anda nomme, je dis bien, il nomme plus de 30 diplomates. Plus de 30 diplomates. Donc, parmi ces 30 diplomates, j'ai dit plus de 30 diplomates, parmi les diplomates nommés, il n'y a que deux, je dis bien deux, qui viennent du département des affaires étrangères. Je suis ministre, écoutez-moi très bien, je suis ministre des sports par exemple, ou bien ministre de l'agriculture. Je nomme 20 personnes pour des postes clés au niveau du département de l'agriculture. Mais parmi les personnes que j'ai nommées, il n'y a que deux qui ont fait agriculture, ou bien qui ont fait des branches techniques liées à l'agriculture. Tout le reste, si ce n'est pas des ingénieurs physiciens, ce sont des ingénieurs mathématiciens et autres, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut nommer plus de 30 diplomates dans le département où tu travailles? Déjà, on fait 20 ans, 15 ans dans ce département. Vous ignorez tout le monde. Tu prends deux personnes. Comment vous expliquez ça, chers frères et sœurs? Hein? J'ai vu des commentaires. J'ai vu des commentaires des personnes. J'étais dépassé. Tellement que j'ai apprécié, je me suis dit, c'est pas la peine. Mais comme il y a certains abonnés qui n'ont pas accès à des informations de Conakry, je préfère leur montrer la liste et nous allons apprécier ensemble. Ce sont des arrêtés. Et ce qui me fait peur, c'est celui qui n'est pas diplomate, qui est ministre de la Défense, qui aujourd'hui nomme les gens dans nos ambassades. Selon les vraies informations, venues du département, même le même département des affaires étrangères, c'est Idi Amin qui a envoyé une liste à travers une dame qui est venue déposer. D'abord, il a reçu un coup d'appel de Maurice Anda. Si on vous dit comment Maurice Anda a répondu à Idi Amin, je vous le jure, vous vous poserez 1000 questions où se trouve la dignité. Demandez, salam alaikum mon frère, broda, how are you? Écoutez-moi très bien, lorsque Idi Amin a appelé le ministre des Affaires étrangères, parce que vous savez, dans un pays normal, hein, entre Dieu et vous, qui vient après le chef du gouvernement en matière de rang diplomatique, sur le plan gestion, sur le plan hiérarchie ou le plan gouvernemental, qui vient après le chef du gouvernement, après le président, après le chef de l'État, après le chef du gouvernement? Normalement, c'est les affaires étrangères qui deviennent numéro 3 du régime, dans tous les pays. Mais c'est Idi Amin qui prend le téléphone, il appelle. La liste est prête, je t'envoie les noms. Et puis, il appose la signature. C'est dans ça qu'il a profité pour additionner deux personnes, parce qu'il a honte. C'est ça que le monsieur m'a expliqué. Tellement qu'il a honte, il a pris deux personnes pour ajouter. Il n'a fait qu'ajouter les deux personnes. Et puis, Abana. Maintenant, aujourd'hui, regardez aujourd'hui la gestion de nos ambassades. Dites-moi, vous qui vivez à l'étranger, vous qui partez dans nos ambassades, vous qui demandez parce que disons la vérité, Heidi, Nadia, comment vas-tu? Toi, tu as fait ta fête hier là, fête de famille, et puis dégayé. Toi, tu penses même pas à tes partenaires. Hein. C'est grave, hein, Nadia. Voilà. Ça, c'est. Tu penses même pas à nous. C'est pas grave. Donc, regardez les prestations dans les ambassades. Vous partez dans les ambassades. Vous pleurez parce que la dernière fois, quelqu'un m'a signalé que le ministre, l'ambassadeur de Guinée en France, est un bon arrière. J'ai dit, frère,
Il dit, il vous a montré des passeports, plus de 2000 et quelques passeports. Benito Nia a fait un sonnet, il dit. Il dit, non, parce qu'il a fait une vidéo pour se faire voir. Il dit que j'ai 2000 et quelques passeports pour les Guinéens vivant en France. Benito, aujourd'hui, ben manque en France. Hein? Ben manque en France. Il y a plus de 7000 demandes de passeports. Je dis bien, 7000 demandes de passeports à l'ambassade. En France, là-bas. Il avait 2000. Ni à la. Je ne suis pas en train de l'accuser. Ni numéro 7, demande les gens. Nous sommes partis demander comment faire d'abord. Il ne s'agit pas d'avoir un passeport. Et comment on fait pour accéder? Parce qu'ils ont dit qu'il y a une fiche à remplir. Qu'il faut remplir d'abord la fiche là. Tu remplis la fiche. Tu envoies la fiche. On met un code. Patati, consciemment. Et puis, le passeport. Il y a des Ivoiriens ici, j'ai dit des Ivoiriens. Le Mali où il y a Assimi Goïta, le Burkina où Ibrahim Traoré, les gens partent dans les chancelleries ici. On leur donne un code pour aller déposer l'argent à la banque. Bank of America ou Caisse Bank. Allez-y déposer l'argent à la banque. On vous donne un reçu, vous envoyez à l'ambassade ici avec votre ancien passeport. Et puis c'est tout. Les Burkinabés, les Maliens, là où il y a la gente, hein, les gentes du moins ça, Marie, encore on va te cousiner. Dans ces des mêmes pays-là, jusque là où je vous parle comme ça, là, les pays-là, la Côte d'Ivoire, même, c'est trop facile. La Côte d'Ivoire, c'est Bank of America. Tu t'en vas, tu déposes l'argent, on te donne un papier, tu mets sur ton ancien passeport, tu mets sur ton excès de naissance. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire demande. Ton excès de naissance, ton ancien passeport et le reçu de la banque que tu as versé l'argent. Tu en vas à l'ambassade. C'est terminé. C'est tout. Ici, même le Mali où il y a le coup d'État, Mali où il y a Assimi Goïta, Ali Bibi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Nous, le frère me dit, c'est ce que l'ambassadeur demande. Et aujourd'hui, subitement, nous sortons, on nomme encore beaucoup de diplomates. Parmi eux, est-ce qu'un professeur de physique est un diplomate? Un professeur de chimie est un diplomate? Un nazan des eaux et forêts? Ou bien un chanteur, je ne sais pas comment, diplomate le dit. Attendez. Gardez-moi des conneries comme ça là. C'est ça même le sous-emploi. Attendez. Permettez-moi. Hein? Parce que. Que ma main la Guinée m'a souillé. Attends, je vais montrer d'abord le document, non. Officiellement, voici voici la nomination, l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté, ça. Voici l'arrêté. Regardez le nom, hein. C'est plus de 30 personnes. Regardez, 34 personnes, regardez le dernier ici, regardez, 34 personnes envoyées dans les ambassades dans le monde, 34 personnes, et regardez ce que le diplomate me dit parce qu'il est fâché, voilà ce qu'il me dit. Voilà, il dit, regarde, le numéro 25 et le numéro 26. Le numéro 25, Madame Daloba Kuruma, et le numéro 26, Monsieur Bachir, sont les deux personnes, je dis bien, sont les deux personnes qui viennent du département des affaires étrangères, Monsieur Benito, il m'a bien écrit. Il dit, tout le reste, c'est Idi Amin et le reste, le premier garçon, écoutez très bien, mais écoutez comment on nomme les gens. Quand ils parlent d'ethnocentrisme, on dit non, ils sont faux. Ce sont des ethnos. Écoutez très bien. Le numéro 25, Madame Daloba Kuruma. Le numéro 26, c'est Monsieur Bachir, sont du département des affaires étrangères. Tout le reste, c'est Idi Amin qui les a envoyés. Le reste, les affaires du premier garçon de Maurice Sanda lui-même. Écoutez, le premier garçon.
Écoutez très bien, le premier garçon, Mohamed Kouyaté, qui était aux États-Unis, qui est actuellement en Guinée depuis son père est ministre, il te fait un arrêté pour quelqu'un. Écoutez, hein, le fils de Maurice Anna, Mohamed Kouyaté, tu donnes 5 000 $, il te sort un arrêté, il t'envoie dans une ambassade. Le fils de Maurice Anna, Mohamed Kouyaté, dans notre pays, c'est-à-dire, vous savez comme nous, au temps de l'ancien Conte, comment on nomme un diplomate? Autant, je dis bien, autant de l'ancien Conte, à plus forte raison d'Addis, qui osait partir regarder les décrets d'Addis? Que quelqu'un me dise qu'il avait le kilo d'aller regarder les décrets d'Addis. Ce pouvoir qu'on a été même, tout le monde le connaissait, quelqu'un, il te dit, et puis c'est terminé. Il faut, tu dépasses seulement, c'est fini pour toi. Alpha Condé, tous les diplomates qui ont tenu autant d'Alpha Condé, c'est des choses qui ont été très bien étudiées. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne doserai pas, mon frère. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne doserai pas. Et regardez, Mohamed Kouyaté, tu lui donnes 5 000 $. 5 000 $, il t'envoie dans une ambassade, l'office de Maurice Anna. À Bazongra. Tous ceux qui ont les faux comptes là, quand vous écrivez un mot sur ma page, je vous bloque. Voilà, Sarakata là. Je vais lire le numéro 25. D'abord, le numéro 25 et le numéro 25, numéro 26. Hein. Le numéro 25, on dit attaché de protocole au consulat, Madame Daloba Kourouma. D'abord, je vais prendre l'original. Attendez, je m'en vais au niveau de l'original. Voilà. Je vous prends le numéro 25. Voilà. Numéro 25. Voilà. Voilà. Numéro 25. Attaché de protocole au consulat général de Dakla, Royaume du Maroc. Madame Daloba Kourouma, précédemment en service au ministère de Omea. Mais on prend encore. Numéro 26. Premier conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassade de la République Guinée au Brésil. Vous avez vu, monsieur Alpha Mohamed Bachir Bari. Hein? Il était sous-directeur protocole d'État. Est-ce que vous comprenez? C'est les deux, hein? Tout le reste maintenant. Voilà. Tout le reste, on dit sociologue. Voilà, attaché chargé de protocole à l'ambassade de Guinée à New York. Madame Fanta Condé, sociologue. C'est tout, hein, madame. Voilà. Sociologue. Si ce n'est pas un biologiste, c'est un sociologue. Si ce n'est pas un sociologue, on dit mathématicien. Tout le reste sont des diaspos. Il n'y a pas un qui n'est pas diaspos. Tout le reste, il n'y a que des diaspos. Est-ce vrai? Tout le reste sont des diaspos. Vous n'avez pas tiré une leçon par rapport aux diaspos qui étaient là. Les diaspos, les Youssouf Boundoussi là et autres, sont largement suffisants pour arriver à une conclusion qui ne mérite pas d'être ministre ou secrétaire général. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le fils de Maurice Anna et Idi Amin. Idi Amin envoie la liste. Le fils de Maurice Anna, tu donnes 5 000 $. Et puis, il met ton nom sur la liste. Il a dit son sur la liste de Maurice R. De Idi Amin. Et puis, tu es devenu diplomate. Et puis, on te donne un document. Tu t'en vas au ministère de la Sécurité pour avoir un passeport diplomatique. Et puis, Abana. C'est tout, Abana. Les jeunes qui nous cherchaient à l'étranger, là. Les diaspos qui connaissaient ce nous, là. Les diaspos qui voulaient faire du mal aux gens, là. C'est eux qui sont rentrés maintenant pour occuper des postes dans nos ambassades. C'est tout, hein. D'autres n'ont pas besoin de rentrer à Conakry. Je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir les passeports diplomatiques. Donc, vive le FNDC, vive l'IFDG, et vive le RPZ-Altancel, vive la société civile. Si vous entendez les gens dire qu'eux ne comprennent pas les Benito, les Damaro et autres là, qui s'associent à l'IFDG et aux forces sociales là, pour combattre Doumbia, parce que c'est eux qui ont fait 1800 manifestations, 133 000 manifestations contre le poste Alpha Condé. Que eux là, ils préfèrent être avec Doumbia. Et pour regardez, hein, des personnes, des bêtes comme ça, qui préfèrent être avec un assassin, celui qui a fait le coup. Que parce que seulement les autres ont manifesté.
Parce qu'on a le droit de manifester dans un pays. Dans une démocratie, on a le droit de manifester. Moi, j'ai pensé même que c'était des démocrates. Eux, là. J'ai pensé même que c'était des démocrates. Parce que comment quelqu'un qui est démocrate, forcément, interdit les manifestations. Les manifestations ne sont pas interdites. Voilà. Les manifestations sont, c'est-à-dire c'est le droit. C'est un droit. Manifester est un droit. Non, que nous, on ne doit pas s'associer à l'UFDG. On ne doit pas s'associer au fonds social, patati patata, et voilà des petits communicants perdus, poussés par des anciens ministres perdus, qui ont passé tout le temps trompés Alpha Condé pour nous dire non, Andoté ou Naina, ou Loato Dissé, car quelqu'un, moi je le dis. Bonsoir, ma chérie, ce sont l'ambassade. Mon chéri Coco, comment vas-tu? Moi je préfère m'associer à celui qui manifeste 20 000 fois contre moi que celui qui est venu m'assassiner. Celui qui a pris les armes pour venir attaquer la démocratie, attaquer Kono, qu'il préfère s'associer à Doumbouya, il y a même un qui dit là-bas, là, Kono, que parce que je ne suis pas de cancan, que c'est à cause de ça, là, moi je ne suis pas. Est-ce que c'est un problème de cancan? Aujourd'hui, c'est les malinqués qui sont en prison. Aujourd'hui, c'est les malinqués qui sont exécutés. Des malinqués, peut-être aujourd'hui, celui qui a été exécuté, qui est d'une autre ethnie, c'est Oumar Sylla. C'est Oumar Sylla, Fonike Mang, qui a été assassiné par Doumbouya. Oh, je masque un habitué, ok. Pardon, ok. Hein? Sinon, qui est en train d'exécuter les malinqués? Doumbouya, Manikadé, petit Jané, c'est un malinqué. Kouyaté, même s'il a grandi à Kindia, c'est un malinqué. comment on appelle ça? Sadiba, c'est un malinqué. On peut citer beaucoup, hein, les gens qui sont en prison là. 90% sont des Maliens. Si ce n'est pas Dr Kassori, tout le reste là, c'est qui? À Kobe. Aujourd'hui, on a commencé, c'est le tour de Soussou parce que Fonike Mang a été exécuté. Est-ce que Fonike Mang était militaire? Ce n'est ni un militaire, il n'est pas armé. Fonike Mang n'est qu'un simple civil. Le gars a expliqué, vous l'avez entendu, Mohamed Cissé là. Ils n'étaient pas armés, ils étaient en train de préparer. C'est normal de préparer leur programme de manifestation pour le peuple de Guinée. Les revendications contre le courant, la fermeture des médias, pas tout. C'est dans ça là les gendarmes sont venus. Les militaires ont garé au carrefour. Ils ont envoyé les gendarmes pour les faire sortir. Et ça, il y a un petit procureur ethno qui vient nous dire que non, que lui ne sait pas là où ils sont. En tout cas, lui n'a jamais ordonné quelqu'un. Est-ce que monsieur le procureur, c'est vous qui ordonnez les gens pour aller arrêter? Non, c'est Bala Sangoura. C'est Bala qui kidnappe les gens. Si c'est pas Bala, c'est Baba Bali, le petit frère de Siaka Bali, qui envoie les gens pour kidnapper. C'est tout. C'est entre les deux. Non. Grand frère Dieu, cherche, il faut laisser Nadia. Nadia a mangé hier, là. Il fallait voir comment. Du bon plat, hein, il a fait du très bon plat comme ça. Et puis avec ses amis, manger. Et puis nous laisser Grand frère Dieu, cherche. Il faut la laisser. Donc, nous allons dire, comment on appelle ça, Dansa Kuruma, Konolala. Voilà, Dansa Kuruma, Konolala. Il a rencontré les arabophones. C'est lui qui l'a dit, hein, allez-y voir son poste. Il a rencontré, selon lui, les arabophones. C'est-à-dire, il a fini de rencontrer les francophones. Maintenant, c'est les arabophones, il a rencontré les arabophones. Vous connaissez le mot arabophone, il y a arabe dedans. Je n'ai jamais vu une personne, non. Une personne très intelligente dans la manipulation. Dans la manipulation, entre Dieu et vous, toutes les rencontres qui sont dans ça, il y a à faire, il n'y avait pas de musulmans dedans. Vous savez, les gens aiment les gros titres, là. Ils mettent les gros titres. Les gros titres, c'est pour quoi? C'est pour tromper les gens. Il affiche et dit, j'ai eu l'honneur par la grâce d'Allah. Toi, tu parles d'Allah. Ibolo n'a démissionné la coursure. Toi, tu parles d'Allah. Toi, tu parles d'Allah, souvent, tu as peur de Dieu. Tu mets ta main dans les caleçons des employés du CNT. Toi, tu parles d'Allah que par la grâce d'Allah. Toi, tu rencontres les imams arabophones, je ne sais pas quoi. Toi, il est Konolala. Parce qu'il y a ce que moi j'appelle la plus grande honte du monde. C'est à cause qu'il y a beaucoup de grands responsables.
S'ils doivent faire leurs bêtises là, ils vont ailleurs. Mais là où toi tu travailles, et puis tu es chef de département, tu es le boss, tu as ta main dans les caleçons des femmes là-bas. Tiens, Mamba, il y a des. Il va la coucher, Barbara. Là. Maintenant, toi, tu viens le matin, tu le regardes, tu fais le grand pharaon. Tu penses que eux là. Parce que même si tu es en train de faire du bon boulot, dès que tes yeux tombent sur une. Avant-hier, là, il n'y a même qu'à équilibrer de la coucher. Il va et tout, tu vas oublier ton travail, tu vas tout mélanger. Tu vas tout mélanger parce que moi, je suis d'accord que les chefs courent, oui, c'est vrai. Il n'y a pas un grand responsable qui ne fait pas la cour. Partout, ça c'est normal. Mais les vrais responsables là, évitent les départements. Ils vont chercher ailleurs. Même qui Kelené, qui a commencé par enceinter une stagiaire. Une stagiaire, hein. Toi tu parles d'Allah. Et puis tu parles d'Allah, il va à la tofo que tu as rencontré les... voilà. Toi tu as rencontré les arabophones. Tu rencontres les arabophones, tu parles d'Allah. Non, moi, Konolala, c'est enceinteur, quoi. En français, c'est enceinté, Konolala. Voilà. Grand frère, Dieu cherche, il faut me pardonner. Kumaba le Bolanda, il dit Afa, un croquet. Donc, toi, tu rencontres les imams, tous les imams qui sont là-bas, là, ou bien professeur de franco-arabe, là. Il n'y a pas un qui ne sait pas que tu as enceinté ta secrétaire ou je ne sais pas chargé de quoi là. Moi-même, je félicite la famille de Pimpon. Dada, tu as vu que Diop est en train de se moquer de moi. Hein? Donc, moi, je félicite la famille de Pimpon qui t'ont imposé la femme. Et puis d'ailleurs, il y a un de tes travailleurs là, comment il s'appelle là? Il me dit qu'il n'a jamais vu un gawa, une personne qui n'est. Il dit Benito, il bala les dansements. Il dit pourquoi? Il dit je travaille ici, mais si je te dis que dans ça. Le président Biden se retire à l'élection présidentielle, alors c'est grave. Notre candidat a retiré sa candidature. Eh Dieu, Biden. Ok, merci président Biden. Vous comprenez? On te dit merci. Attends, je m'arrête là-bas. Le président Biden, merci pour tout. Hein. Merci pour tout. Voilà. Oh là là. Alors, ça, c'est grave. Donc, toi, tu as rencontré les. Ça dit ni tophoné, manipulationné. Toi, tu as rencontré les arabophones. Tu as rencontré les arabophones. Et puis. Je viens de voir le message, on vient de m'envoyer un message qui s'est retiré. Il a retiré sa candidature, franchement. Il n'a qu'à. Parce que pour Ouyasana même c'est connu. Ouyasana même c'est des femmes. Ako Benito Nala Gawa Balali. Gawa Yerere. Gawa Yerere. Ako Ikala Minala. Walloy. Dans ça. Il dit, monsieur Benito, tu l'as connu à l'université, mais tu vois dans ça actuellement là. Data ne peut même pas causer une femme. Les femmes claires, là, quand ils s'approchent à pour parler, il approche sa tête, là, il a envie d'embrasser la personne. Moussonima même ben akai, doba kumbrinte, alors que Aïda di Badonio Nati. C'est-à-dire, il est assis comme ça, les femmes veulent parler. Monsieur le président, on ne fait pas comme ça. Monsieur Bakete, là, il dit tout le monde à la tête. C'est grave. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré les arabophones. J'ai rencontré les arabophones pour parler de la constitution. Hey, le débat de la constitution, il faut arrêter. Parce que tu veux te justifier, parce que tu sais très bien la constitution que tu détiens là. Nous savons les personnes qui ont écrit cette constitution-là. Il y a ton protocole, le petit qui dit qu'il est Konyanké là. Il dit qu'il est Konyanké. Il est pourtant le Koyaka de la Côte d'Ivoire là. Où le Kassébé, des vauriens comme ça, hein? Des vauriens comme ça, où le hand de la constitution, c'est pas là. Quand tu veux convaincre les arabophones là, parce que le jour où les choses vont commencer, les manifestations vont commencer, eux là, ils vont intervenir, non, au nom de l'islam, au nom d'Allah, au nom de la fête d'Allah, pour la fête de Doumbia là. Nous avons mis Allah de quelque part là-bas. C'est Allah qui nous a punis. C'est Allah qui nous a punis. Ce qui nous arrive là, c'est la punition divine.
Voilà. Mais pour Doumbouyana, on met Dieu de côté. Nous réglons les problèmes. Après, on fait appel à Dieu. N'a fauté. Je ne dois pas le dire, mais n'a fauté. Parce que tu veux faire croire aux arabophones que tu es sincère. Un malhonnête, Moussoukoto, Ibon la Moussoukoto, il est mon alakokouma, voilà. Quand tu parles de Dieu, tu es sale, tu n'es pas dit. Et puis quand tu parles de morale, quand tu parles de morale, quand tu peux parler de morale, tu peux parler de morale. Je n'ai jamais entendu dans ma vie un président de la République qui est enceinte. Je dis, excusez-moi, un président de la République qui est enceinte sa ministre, ou bien un président de la République qui est enceinte la personne la plus proche, un ministre qui est enceinte. Mais c'est la première fois, celui qui gère. Hein, c'est comme si le président, tu ne vois pas le président du CNT du Mali, hein, le président du CNT du Burkina. Abakeko, c'est le président du CNT du Burkina qui avait enceinté. Ibrahim Traoré aurait renvoyé, aurait demandé sa démission. Toi qui parles des constitutions, Iba Oulish, constitution d'abord. Il faut parler aux imams. Nous connaissons aujourd'hui les vrais imams dans ce pays-là. Nous connaissons les maîtres coraniques dans ce pays-là. Tout, vous donnez l'argent à des imams, à des vauriens pour venir s'asseoir, qu'ils reprennent la loi islamique. Je veux les arabophones là. L'affaire d'arabophones là, nous connaissons très bien ceux qui pratiquent l'islam dans ce pays-là. Moi-même, à ta place, je préfère appeler les catholiques là, les chefs d'église là, parler avec eux, au lieu d'appeler un imam ou un. Nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui. Je préfère que tu appelles même, parce que c'est très joli, c'est très compréhensif, c'est très rassurant que tu appelles les chefs d'église là pour discuter avec eux. Mais les imams, ou bien les arabophones là, nous connaissons ceux qui pratiquent, ceux qui ont peur de Dieu dans ce pays-là. Pourquoi tu n'as pas appelé le premier imam? Il fallait appeler le premier imam. Et tout, vous parlez de ça. Je vais terminer par Elage Mansaliou. Sila Patrona. Moi, si la patronne, si c'est bon, la mère, je dis c'est bon, si la patronne. Fais un enfant, n'a pas maintenant un enfant. Il n'a pas un enfant, il a ri sa réfie. Parce que non, il n'a pas. Si la patronne, quand c'est bon, la mère, Benito, je dis que c'est bon. Même si tu m'avais provoqué avant là. Mais ce que tu as dit aujourd'hui là, tu es arrivé à une conclusion extraordinaire. Parce qu'il n'a pas un enfant, non, il n'a pas. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Tu as été responsable dans tes propos. C'est là, patronat. Il n'a pas le nom du Nara. Je vais lire ça pour les abonnés. Parce que c'est une réalité. Il va à ton cas. Et là, c'est ce qu'on appelle ça. Et là, c'est là, patronat. Il va à ton cas. Si on avait commencé avec ça, là, le gars n'allait même pas faire un an à la tête de ce pays-là. Mais fois à toi, ma Seigneur, à malhonnête Nara. Parce que pour les gens, c'est une. Mais quelqu'un qui prend les armes contre son bienfaiteur, autant vous êtes des religieux, vous êtes des sages, non. Hein? Si c'était au Fouta comme ça, quelqu'un se lève, il s'en va gifler l'imam, il dit qu'il est le chef là, les gens ne vont jamais le supporter. En forêt, ils ne vont jamais le supporter. Jamais, c'est que je sais. Quelqu'un qui vient destituer son père, soit dit, c'est surtout les acronymes que c'est son père. Toi, tu viens taper ton père et que les gens te supportent. Celui qui a fait du mal à son papa, là, il a pitié de qui? Qui? Moi aussi. Mais il n'a pas fait la non, je vais lire ça. Attendez. Moi, j'aime ça. Tu as raison. Tu dis, oh, te voilà, c'est toi, tu es là comme ça. Relâche, il te l'a fait là. Et j'ai écouté. Il te l'a fait là. Voilà ce que la patronne a dit. Aujourd'hui, les gens ont eu une peur bleue dans leur ventre et sont frustrés. Et quand c'est comme ça, comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui et ne rien dire? Ce sont des questions qu'il s'est posées. Aujourd'hui, les gens ont eu une peur bleue dans leur ventre. Ils sont frustrés.
Et quand c'est comme ça, comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui? Chacun va rester chez lui? Et ne rien dire? Non. Non. Comprenez la question du vieux, ce qu'il veut dire. Est-ce que vous l'avez compris? Aujourd'hui, les gens ont une peur bleue dans leur ventre et sont frustrés. Et sont frustrés. Ils disent qu'ils ont une peur bleue et puis ils sont frustrés. Et si c'est comme ça, ils posent des questions. Comment allons-nous faire? C'est ça même deuil, des très bonnes questions. Comment allons-nous faire? Chacun va rester chez lui? Question. Et ne rien dire? Non, Elash. Elash, non. Je réponds, non. Non, Elash. Non. Elash, je vous félicite. Et je vous tire le chapeau. Naa comprend, maa comprend. Naa maa comprend, maa luna. Tandis que regardez-le vaurier, regardez-le. Un chivertement de 20 dollars, ça là, regardez-le. C'est avec la chaussure là, il a voyagé. Regardez la chaussure, regardez. Même quand, vous regardez la chaussure ici. Regardez, c'est un caoutchouc. Regardez la chaussure. Harinato, caoutchouc dans la. Regardez-le. Regardez. Regardez ça. Hein? Regardez sa tête. Regardez. Wamato. Waouh, Mato, regardez-le, regardez. Pourrait. Un vaurien. Et puis, vous les petits supporters de Takana qui viennent m'insulter là, vous perdez votre temps. Takana, je le répète encore. Regardez quelqu'un, regardez-le, regardez sa tête. La chaussure là. Allez-y voir ça, là où il est en veste là. Regardez, en veste là, regardez. C'est la même chaussure, hein. Dans la même chaussure. Il dit qu'il vient chanter le général et chanter quoi. Quelqu'un vient participer à un festival. Parce qu'un festival, est différent d'un concert. Un concert là, c'est ton manager qui négocie, qui prépare tout. C'est toi. C'est toi. Maintenant, vous aussi, il y a un festival où plus de 100 et quelques personnes sont invitées. Et puis un festival, là, c'est un tour de rôle. Vous passez un à un. On dit c'est le tour de Takana Géon. Tu passes, tu fais ta partie et puis tu quittes. Maintenant, les gens veulent nous faire croire que c'est lui, c'est son concert. N'importe quoi. Qu'au Takana, l'artiste est international. Moi, je voudrais juste vous montrer sa chaussure. Un drogué, regardez sa tête. Un sale type. Qu'on le concert de Takana, que je viens faire un concert. Tu viens participer à un festival? Le festival, hein? Tu viens participer à un festival? Pendant le festival, il y a des comédiens qui sont invités, il y a des artistes qui sont invités. Tu n'es pas le seul, il y a des grands artistes. Je ne vais pas citer parce que c'est au Canada. C'est un festival où plus de 100, hein? Mais si tu sais vraiment que tu es mes grands frères Draman Badon ou Koto, si tu sais que tu fais là, c'est bon. Takana Géon, il faut demander qu'on organise un concert pour toi au Canada. Tandis que tu viens, tu quittes là que si t'as pas pour toi, appelle-moi. Mbélibaré. Takana, actuellement là, Ikeri. Ah, tu as un concert en Europe, Cigaraba, Khamere Cigar, Mgeli Bari. Actuellement là. Doumbé là, on appelle ça Niaman. Tu connais Niaman? Depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, regardez-les.
Depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, il a touché la lettre. C'est-à-dire, depuis qu'il a touché à Mamadi, malheur sur malheur. Regardez-le. Il est parti rester en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il n'est même pas venu à Conakry. Les artistes là, il faut voir Faut de Kouyaté. Les gens l'aimaient, hein, depuis que Faut de Kouyaté l'a chanté, il faut voir. Personne, quand il parle, c'est comme ça qu'on fait. Dans le mandingue même. Regardez aujourd'hui les Azaya. Et ils évoluent, hein. Les Azaya, les autres artistes, ils évoluent. Un petit morceau, ça prend. Mais Emma Koloma, Faut Doumbé Alangui, un sale type comme ça là. C'est qu'on a Nyaman. Doumbouya Nyaman. Et bien moi dans la problème sur. Et ta mon tour, il m'a sauvé nana. Il est dans ton parce que. Et puis de toi-même, tu pouvais avoir l'argent. Il y a un colo, il n'a pas comme c'était tant Doumbouya. Pourquoi tu ne fais pas tes trucs? Voilà. Voilà Tata Diana qui dit c'est une heure pour chacun. Et Amiré Wama. Tu as vu, comment il s'appelle là? Le gars qui a. Va voir le son de gars là. Comment? Eli Kamano. Le son qu'il a sorti, va voir. 200 et quelques mille vues, le son d'Eli Kamano. Ce qu'on appelle. Eli est rentré dans la politique, c'est une erreur. Sinon, Eli Kamano là, il devait continuer de chanter. C'est son travail. Il a enfermé Yoma Mema. Écoute. Il faut écouter Tiken Diafakoli. Quand il chante, on comprend, on entend les mots. Écoute Alpha Blondie, il a un chantement, mais il est témoin. Il faut écouter. N'importe quoi. Il m'a fait 100 kilos. Il y a 100 kilos là. Il faut voir les chaussures de Tiken Diafakoli. Les vrais books, les vrais chaussures. Il y a Matouba. Il y a un vest Matouba. Qu'on aime pas. Au revoir, Kéré. On se reprend après. Excusez-moi, j'ai reçu le journal à Yandi. Portez-vous bien. Merci à tout le monde. On se reprend le soir, Inch'Allah. Qu'on le concert de Takana. Le concert. Mbore en festival. Qu'on le concert de Takana. Un sale type comme ça, là. Hein? Voilà. Regardez le chivertement, là. Dis chivertement, Bila Kolo, 20 dollars nara. Wamato. Waho Nimato. Alabe. Waho Nimato. Regardez sa tête. Waho Nimato. Regardez-le. Parce que nous avons fait un aigri minima. Voilà. Elle n'a pas l'entendre. Allez-y voir sa photo quand il est arrivé à l'aéroport. Regardez la chaussure là. 10 ankiri. 40 dollars nara. 40 dollars. 10 ankiri. Amato. Et puis, regardez en haut ici là. Yakulma ben a forinara. Regardez si c'était cure là. A cure nara moudira bama. Arida yakulma forinara. Dit forinara. Et comme il n'a pas de sotoma dumbuya ira. Et tamu. Et tamu no. Et tu sais la bade. Si y a un concert là-bas. Et y a un concert là-bas, Canada. Voilà.